avons oublié ta lisolo. Lisolo ya motema, ya moto ya lokota. Tanga pa komisanga esika nazalelo. Bazo sala nyonso bayeba, bayoluka ba comprendre. Bayeba nini na pote na koma esika nazalelo. Nazo beta lisolo, lisolo ya motema ye, ya moto ya lokotanga, bako misanga esika nazalelo ye. Bazo sala nyoso bayeba, baoluka bako fongwa ye, bayeba nimina, bapote na koma esika nazalelo ye. Yebo ya kiosu ngangaiti, na mundinga moko boeti. Alors que baby c'est la réputation te na yo. Comme une massue, une épée et une flèche aiguë. Ainsi est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. Oh non mais tout n'a mille une question, tout n'a débala qui sa yo secret n'angaye. Oh le yo ina moninga sans raison, ya kande nala qui sa yo secret n'angaye. Oh le yo kote langana kwa nganga, tout n'a ngana la qui sa yo nzambe yambiye. Oh le yo lomba ki yon ala sima kisi, ya kande nala qui sa yo secret. Baluka baluka, yeah, yo. Eh nzamba tombo linga lelo. Bafina bafina ye yo, talanga babi misinga lelo. To batia bakalo ye yo, enza babi misinga lelo. To libote bwakisa ye yo, talanga matomolinga lelo. Olie yo kose langa imakamo, kusana nala kisa yo nzambe ya lula. Olie yo kende otonganga partout, ya kande nala kisa yo orfolan na sunga ngaye. Ya kande nala kisa yo bangomba na mata. Olie yo panza libala moninga, tuna ye ala kisa yo vraiment. Baluka baluka, enza matomo linga lelo. Balakela mabe, talanza matomo linga lelo. Bachola bayina ye, kazinza maponise nga lelo. Nalibulu ya kufa ye, enza mabimisinga lelo. Nalibulu ya famiye, talanza mabimisinga lelo. Azeni lomite yo yo, enza masalelinga lelo. Kaya kiliboso, kala yena zuya ngayi lelo. Basala ba ane, kwa ngaye umelite lelo. Azeni lomite yo yo, enze nga lingeza la lelo. Merci Jésus. Merci Jésus. Na tele milelo, liboso ba maman, na ye kota tola, oyo nzamba sali. Na ya walelo, liboso ya église, na bali na témoignage akopesa. Lazalo akufa ye, talanga mba sekwisi ye lelo. Bartime aveugle ye, ye, enza mba monisi ye. Na tele milelo, liboswa ba papa, na ye kota tola, oyo nzamba sali. Mayami zotongi, komprene mon emotion, na ye kota tola, oyo nzamba sali. Jésus Christ est fidèle. Ne perdez pas de repères,
La RTGA est votre radio. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans Dièse One. Cette semaine, nous recevons pour vous l'artiste Teddy Dissou qui nous fait du gospel. Et on va commencer cette émission comme ça avec son deuxième projet intitulé Kimia. Mais nous allons faire un throwback sur son premier projet parce qu'il est dans le studio bleu blanc de la RTGA FM. Et aujourd'hui, on va parler avec lui. Il va nous expliquer et il va aussi décortiquer en même temps ses œuvres. C'est vrai que c'est pas dans nos habitudes de parler plus gospel, mais aujourd'hui on va faire un effort pour vous faire plaisir parce que vous êtes nombreux à nous demander cet artiste et vous êtes nombreux à nous écrire grâce à cette grande équipe qui m'accompagne à travers cette émission Dièse One. L'artiste est déjà dans le studio de la RTGA, je viens de le dire tout à l'heure, et on va l'accueillir, on va lui dire bonjour. Bonjour Teddy, ça va très bien? Ça va très bien. Alors on te reçoit aujourd'hui dans Dièse One, c'est un honneur et aussi un plaisir. On a commencé cette émission avec une de tes chansons promotionnelles, Lelo Lelo. Il y a un peu Lelo Betoyambio, photo Tobetama Solo. Alors on va d'abord laisser la chanson Lelo Lelo, tu as deux projets. Le premier projet s'intitule FIVE, Five. Mm-hmm. Pourquoi Five, ton premier projet? Five, au fait ce n'est pas Five, c'est F.I.V.E. Oui, c'est ce que j'ai dit, F.I.V.E. Bon, bah, voilà. Point de Zangi. Ouais, bah, point de Zangi. Il y a une signification, oui, F.I.V.E. Faveur incontestée, valeur éternelle. Qui veut dire? C'est que la mort de Christ à la croix nous rapporte. Ok. Une faveur incontestée et une valeur éternelle. Ok. Voilà. F-I-V-E. Ok. On retrouve 5 titres dans ce premier projet. C'est vrai que Lelo va devoir découvrir Malamoko Lelo Lelo. On est sur toutes les plateformes de téléchargement et aussi réseaux sociaux. Lelo, ils font tourner tellement ta chanson. Okay. Il va éviter que Ozana premier projet Oyo Oyo Mbappé Bandimbo Oyo Leki Otozo Kasiko. Exactement. Dans quel état d'esprit Ozana premier projet na Yowana? Et puis pourquoi il n'y a pas eu trop de bruit contrairement à Oyami Balé? Bon, vous savez, Babilo Kalibo, c'est un peu compliqué. Okay. On a du mal à réunir les moyens. Les moyens aussi. Et puis voilà, Niti Boethiko, Jamel Tab, pour une bonne émission, mais c'est pas rien. Okay. Il faut plein de trucs. Il faut voilà. Beaucoup de choses. Donc on n'a pas eu les moyens de maximiser côté promotion. Okay. Mais état d'esprit, en parlant d'état d'esprit, je suis quelqu'un. J'ai toujours été déterminé. Les gens qui me connaissent le savent. J'ai dit des choses, Moussousou Oyo, ça se réalise 10 ans après. Okay. Moi, je les avais déjà dites avant, 10 ans avant. Je suis quelqu'un de très déterminé. Et je sais ce que je veux. Tu étais 10 ans avant, parce que ton projet FIVE, ton épée d'ailleurs, est Bimakina 2020. C'est quoi 10 ans avant Epena Oyo, parce que sur les côtés déjà dans ma plateforme Yami Nene, ça veut dire que c'était un bon projet. C'est quoi avant Wana, tu étais quoi? Et qu'est-ce que tu avais dit 10 ans avant Oyo Salemi Lelo? Bon, les chansons, bon, parmi les 5 chansons de l'épée, il y a de celles que j'avais déjà faites depuis. Très longtemps. Et oui, j'ai fait comme les remixer. Voilà, et puis une réédition, c'est-à-dire au salon réédition. Néti réédition, voilà. Okay. Mais les premières chansons que j'ai faites, on n'a pas eu l'occasion de les publier comme ça, les mettre sur les plateformes. Alors, avec Kendai Kaboué, on dit téléphone des gens, de bouche à l'oreille et tout ça, c'est parti. Mais après, j'ai voulu remixer, genre réédition, comme vous avez dit, pour que cette fois-là, ils aient au moins connu de partout. Merci beaucoup. Alors, on va finir avec ce premier projet, parce que tu es en actualité et tout. Okay. Le premier projet, ça t'a rapporté quoi? Avant de côté, on a Kimia. Premier projet, Wana, quand même, et comme Tina, la plateforme, Minene, et rapporté yo Nini. C'est ce qui a fait que le pasteur Moïse me découvre. Ok. Oui. L'une des chansons qui se trouve dans l'épée, Mélodie. C'était quoi? Ouais, Mélodie. Mélodie, oui. Ok. Mais alors, quand il t'a découvert là,
Tout à l'heure, avant l'émission, j'étais en train de te taquiner un peu. Je me disais, est-ce qu'on écoute cette chanson, Lélo Lélo, c'est vrai que dans cette émission, c'est un peu. Aujourd'hui, j'ai fait la pyramide renversée. Toujours en disant, en actualité, tout bétamon à souk à émission. Okay. Mais j'ai fait quand même exprès à quoi renverser. D'abord, on va commencer par cette chanson. Parce que c'est une chanson qui suscite beaucoup de questions. Okay. Et il faut vraiment na tout na yo en union sur Lélo. On a annoncé qu'il y a un royaume. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Est-ce que vous avez. Tous les gens pasteur Moïse Mbie. Ils ont dit mon nanga. Oui, mais c'est le pasteur Moïse qui a arrangé la chose. Donc la direction artistique. Voilà. L'écriture, c'est la mienne. C'est le pasteur qui a arrangé. Mais est-ce que tu te souviens de la première version en Diembo? Parce que Diembo se réveillait. Et il y a un nègre qui a été en train de se réveiller. Et il y a un micro en Ango. Il faut balader son Missouni. Tout ça là. La première version, c'était comment? Tu l'as chanté comment? En acapé là, si tu peux. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Oui. Et qu'est-ce que le pasteur Moïse Mbia Sal Eh ben, le pasteur, au fait. Bon, je vais essayer de vous expliquer. Ok. Musique et cause à loco là, comment expliquer? J'ai ramené les paroles, j'ai ramené la musique aussi. Et le pasteur Tangayoki, il a pris, il a commencé à découper et puis recoller. C'est-à-dire Akatia ou Akatia, mais non, au lieu de Kende Awa, il y a Plastel. Voilà, Nassan Swana. Au fait, ça, l'arrangement. Non, guitare, awate. Guitare, c'est le fèche bétan à deuxième mesure, par exemple. Mais est-ce que yo, au Salakin Zembo, on a l'intention que le coup, la pasteur Moïse Mbi a découvert yo, c'est quoi yo, le pasteur Moïse Mbi a l'inga perfection, a zan n'inga salama kamnaye, a l'inga sobe misé l'orone, fou zan a moi ligné mon roboué. Est-ce que toi, dans ta tête, tu te disais que Nassal est loco pour na séduire le pasteur? Pour garder dans la bibomba musique. Parce que même quand on regarde les projets, ton premier projet porte ton nom. En termes, il y a signature, il y a des positions. Bah, comme il te dit, sommet. Bon, je ne sais pas si je peux appeler ça un mini-album. Il y a Kimia, c'est bien signé bibomba musique. Est-ce que tu as fait ça pour le séduire, pour se retrouver? Azala séduit pendant la mélodie, na yo. Pour être soit Azala, ami yo qui à travers yo, albino, oh, enfant chéri, nanga. Bon. Est-ce que c'était le cas? Je te dirai pourquoi j'ai posé cette question. Y a pas si tu problème. Me réponds juste après, on a eu ce pouvoir dans toutes les questions. Ok. Bon, ce que le pasteur m'a dit bien au début de notre discussion par rapport à la production, il m'a dit, il m'a donné quelques conseils, mais qui m'ont vraiment fait grandir. Il m'a dit, Teddy, quand tu écris des chansons, comment Nzembo, par rapport à ce que toi tu as vécu avec le Seigneur. Parce que ce que tu as entendu et ce que tu as vu ou vécu, et ça a même impacté ta vie à Batou. Très bien. Alors, il m'a dit beaucoup de choses par rapport à la musique, surtout par rapport à la composition. Il m'a même reproché par rapport à ma composition. Il y a avant, c'est là où j'ai compris que ça faisait quand même un bout de temps qu'il me suivait sur les réseaux et tout. X, Oyemba bien, mais telle place, tu as dit ça et ça, fallait dire, je préférerais que la prochaine fois, Oloba, ça. C'est par rapport à tout ça. Donc, on a sali symbiose Nango, et sali que les gens puissent remarquer cette fois qu'il y a une couleur, en tout cas forte, du pasteur Moïse. C'est par rapport à ça. Ok. Oui. Alors, parce que tu as dit que non, il te suivait sur les réseaux. Comment est-ce que ça s'est passé? Parce que biso anakin te vika que non neti label ya munene le kola bibomba musique neti nga sonaza naza chanteur ba jeune bazan na biso bazé belé ba ça la peu gospel le kola yo ba yemba pe bien peut-être kole kayo ou encore moins que yo démarche nini yo salaki pour okutana pasteur. Est-ce que ça yo to salaki ngo to yé muta salaki ngo parce que bandeko lando depuis kala connaissant le pasteur Moïse Mbie. Même si on regarde les réseaux sociaux aujourd'hui, on voit que ce sont des réseaux sociaux où il y a des bandes. Ils ont bandes pena. Est-ce que lui vraiment, en toute humilité, il était venu vers toi? Ou branchement, ils allaient qui? Il faut dire la vérité, parce qu'il y a des jeunes frères qui te suivent. Que tu fais rêver maintenant les jeunes aujourd'hui. Bon, quand c'est même pas facile, bon, on y a ça comme la Moïse Mbie Lelo. Ok. Je vais profiter de l'occasion pour lancer un message. Et pas il y a jeunes très talentueux.
oh, qui servent le Seigneur et qui voudront, qui espèrent être, être produits, être promus. Moi, je n'ai pas fait des démarches. J'ai prié le Seigneur, j'ai travaillé. Je dirais que toute ma vie, je suis dans la musique. C'est tout ce que je fais depuis toujours. C'est tout ce que tu sais faire. C'est tout ce que je sais faire. Okay. C'est tout ce que je sais bien faire. Ok. Ouais. Toute ma vie, je ne fais que ça. Et Bama Salanga Baza, c'est mon ami aussi, lui. Okay. A retémoigné que quand on grandissait, moi, on me Bama Samso Zagi, quand vous êtes ensemble, vous riez et tout. Mais soit eux à rap et cooking, moi je dis Naki rap. Ils se moquent. Ah, y'a honte, t'es dit, oui, là. Et bah, voilà. Donc j'ai consacré ma vie dans la musique. La mandaï que salon, on a espoir que un jour et Simba. Et bizarrement, j'ai toujours su qu'il y a Simba. Toujours. Okay. Toujours. En tout cas, j'étais prête à tout parce que je savais qu'il y a Simba. Après, je suis chrétien. Je connais les principes de la vie chrétienne, les principes du succès, par exemple. Okay. On a eu à lire des livres et on sait quels sont les principes du succès. Très je bien. Suis resté positif, j'ai travaillé dur, je suis discipliné et voilà. Et je suis chrétien, donc je crains le Seigneur, je fais de mon mieux pour lui plaire. Nazara bien, la relation Nazara bien. Je priais le Seigneur et bizarrement, miraculeusement, le pasteur Moïse m'a découvert et Moutoumou Abetelanga Lissolo, c'est même pas le pasteur, c'est un membre à Bibomba Music. Et puis il revenait du concert, le concert Shark, Shark avec le pasteur. Avec le pasteur. Le premier, je pense, Shark. En rentrant, pasteur Moïse, en Tchaki Nzembonanga, na YouTube, Abengi Bango, Bokanon, garçon d'Azoemba. Il s'écoutait dans la voiture. Puis ce garçon, il me séduit, il chante très bien, j'aime sa voix et tout. C'est là que ça a commencé, je n'étais même pas là. Oui, bah, il n'y a tout de suite. Et puis, comment j'ai galéré pour na santé, moi, la mélodie. Si je vous dis comment j'ai galéré. C'est un sacrifice énorme que j'ai pu faire pour ne réaliser Nzembwana. Très bien. Na niveau il y a audio d'abord pour na kota studio, c'était grave. OK. Donc galère totale. Okay. Et pour na ça clip galère, il y a au sarangaté. Très bien. Mais j'ai compris que Dieu voulait à tout prix que je passe par là pour que Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que tu aimes la musique? Est-ce que tu aimes la musique? La musique, je ne l'aime pas, je l'adore. Tu adores la musique. Ouais, mais le mot aimer, si j'ai posé cette question, c'est parce qu'en Lingala, quand on aime, on dit toujours que la Lingakayo, je t'aime et tout et tout. C'est pourquoi je t'ai posé si tu aimes vraiment la musique. J'aime trop. La Lingakayo, c'est aussi ta chanson. C'est le titre qu'on va écouter tout à l'heure. Et on va chanter aussi avec toi. C'est super. Parti. D'accord. Ne perdez pas de repères, la RTGA est votre radio. Papa Fandi na Lola, Takabeli obomo inanga, Tokola fololo. Ce que c'est peli na limonza nanga, ce que l'ingo salela mamoulou. Kalo sambo, tango kope sanga bozwi, ata otombo linga yo. Na senyo zala na angelungo, toko matina suka. Na linga kayo, na linga kayo. Apina nga Yesu, sekurita libota. Ay ay ay, sécurité libota na linga kayo. My God, balobi tika nzela nzambe,
na kitoko yoza nongo bokoki kokele la te motema ikomi kobeta balingi bakabolanga na yo na koko kate nga ye nalingaka yo pe Yesu nalingaka yo Yesu apui na ngai yo sécurité à libota nana oh apui na ngai yo yo sécurité à libota nana nalingaka yo balobi bima na ecclesia na mayele yoza nango okoki koshomete baninga bankouraje ngai ye balingi bakabolanga na yo na kokoka te kaka mpo nalingaka yo nalingaka yo nalingaka yo nalingaka yo apui na ngai Yesu sécurité à libota nana nalingaka yo apui na ngai yo apui na ngai Yesu sécurité à libota nana nalingaka yo Ne perdez pas de repère, la RTGA est votre radio. Nalingaka yo Yesu ngai ye nalingaka analukaka yo Yesu ngai ye nalukaka anazelaka yo Shilo kima ye nazelaka ayo bozwi na ngai yo yo bozwi na ngai yo yo Ya Yesu yo makasi na ngaye ya libota na ngaye nalingaka yo Yesu nalingaka yo Yesu Merci Jésus Beaucoup mesdames messieurs vous avez remarqué que nous recevons pour vous l'artiste Teddy Disso, il fait du gospel et il est à son deuxième projet qui met qu'il y a 8 titres. On va faire un effort en tout cas à vous proposer Bino Banzembo, hein, bato basino une chance te akoyoka Banzembo na ye o eza bien, hein, boyoka on a quatre émissions o boka moko moko. L'artiste est là, il va décortiquer les chansons, à vous expliquer Bino ndenganya sale Banzembo na ye, le thème de ces chansons, toutes ces contours là, tout cela na ye parce que il est dans le studio de la RTGA FM. Et nous sommes en direct. Alors, Teddy, on vient d'écouter une de tes chansons, hein, mmh. La Ligne à Caillou. Alors, yeah. Dans cette chanson, j'ai comme l'impression que je risque de poser les mêmes questions. Le pasteur t'a encore accompagné dans cette chanson, évidemment. Bien sûr. Ah, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire du pasteur Moïse Mbiek, c'est ton mentor, au-delà du label mmh. Est-ce qu'il y a un mentor, Nayo? Effectivement, oui. Mmh. Il l'est. Il y a un mentor, non? Parce que même ceux qui bah mes compositions précédentes, ok, vous remarquerez que il y a toujours des, il y a une même touches. Mise, ouais, ouais, il y a Peneza Makasi, ouais, bien qu'avant il n'était pas là, ok, mais vous allez sentir que il y a quelques petits petites touches mm-hmm. de lui de sa part, ouais. Ok. C'est mon mentor. Que diras-tu, y a, parce que tu n'es pas la seule recrue, il y a Bibomba Musique, il y a avant toi, on avait la sœur Trina. Hein, et puis toi tu es arrivé, les réalisations, Oyoyo Salema et Panayo, na Oyoyo Salema et pas sœur Trina, c'est quand même différent. Mm-hmm. Hein, que diras-tu? Est-ce que tu es... C'est différent, j'ai pas compris. Non, j'arrive. Okay. Est-ce que tu partages la vie de ces gens qui disent que non, exploit, mmh. exploit, promotion mmh. et vision, Yama Kamunayo, na sœur Trina, et Zandenge Mokote, est-ce que tu partages cette avis-là? Est-ce que tu peux expliquer, yo, Zandenge Mokote, na sens tini, na wikipo, ou pousse, na moi, les sous. Bon, na réponds non. Oui. Réponds. Bon, c'est normal. Okay. C'est normal que... Déjà, c'est deux personnes différentes. Mmh.
c'est la sœur Trina et moi. Sœur Trina Aza. Sœur Trina qui a beaucoup de talent aussi. Bien sûr, et sœur Trina Aza niveau mon langage. Sœur Trina Aza, Aza Nicolo. Ah wa toyo kango tina ba to ba moto. Bien sûr. Mais yo tozo. Moi je suis en train de évoluer. Après sœur Trina Aza na philosophie. Parce que Bibomba musique au fait ils a plateforme à Mounene, okay. Mais ça met à l'aise les tout artistes monde. Voilà, donc ça permet à ce que artiste a tourné et puis européen ça cas Bibomba musique bah compte rendu bah non mais ça qui fait les choses donc, bien vous avez un artiste dans la philosophie naïe bah oui parce que je pose cette question pour bah auditeur na bah téléspectateur bah type sur ce message bah on est bah tout naïo. Pourquoi il y a une façon d'expression nanga munayo et pendant que Sœur Trina era yaki on dirait Sœur Trina zaina bibomba musique on dirait yo penande ubandi bibomba musique. C'est des questions que je reçois comme ça na robo mon pona ngate funa na komisa message pas nayo et puis o éclairer lanterne wana o ezana ngambo ya bato ba otala biso sikoyo. Ça moi je remarque pas. En tout cas, je remarque pas qu'il y a que moi il y a une certaine manière de faire et qui Isaac était avant, je sais pas. Et cette manière de faire là aux yeux en Wapi. Non, je ne remarque pas qu'il y a que moi. Non, on te fait remarquer ça maintenant. Ça dit que c'est dans quel domaine précisément pour Nazara précis. Dans la globalité de choses. Wow. Ce n'est pas une comparaison. Hein, okay. Ce n'est pas une comparaison, mais moi je transmets, je dis bien, je transmets les messages que j'ai reçus na bato balinga komingi. Balobi yo ozana moi souple, je peux lire encore le message, ozana souplicité, il y a communication à musique na yo. OK. Donc bato ne ba comme moi on dirait bibomba musique on est bandi na yo contrairement à Sœur Trina. Je sais pas si la question elle est trop lourde. Je peux l'aller. Non, je ne dirais pas que c'est trop lourd, mais moi, je ne. En fait, il faut que ces gens-là, les gens qui nous aiment et qui envoient des messages, essayent un peu d'expliciter pour qu'on comprenne mieux, en fait. Na explicité, c'est quoi? Oui. Tout à l'heure, je t'ai parlé de la vision de Bibomba Musique. Tu m'as dit que non, Bibomba Musique, ils ont la vision en gros. Bah, tu viens de voir l'ambition de la télé, il y aura une autre, au loin, une bande de l'émission. Ah ouais, que Bibomba Musique, ils ont la vision en gros, ils ont aligné en gros. Est-ce que toi, tu as ramené ta propre vision? Est-ce que toi, tu as ramené ta propre façon de faire les choses? En fait, pour expliciter, Yango Wana. Est-ce que tu as ramené ta propre façon de faire les choses? Parce que, il faut se le dire. Bah, tu vois, tu as l'impression de la télé, il y a un autre, quoi, si Bango. Tu as ta façon de faire les choses qui est très div... En tout cas, et que c'est lui même naïe moko mokolo bibomba musique. Waouh. Kosi mamoto tezaka émission. Tezaka émission pesa constate ça ali. Na biso na ba téléspectateur, na ba auditeur parce que tu es quand même temps na radio, na télévision. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Bon. Déjà vous savez. Et puis si ma question est difficile, vous m'excusez. Hein? Je rigole, vas-y. Non, on t'excuse parce qu'elle l'est. Ok, vas-y. Excuse-moi. Donc, je pense que pour mieux répondre à cette question, je dirais... Vas-y. Sens-toi à l'aise en tout cas. Moi, je ne sais pas si je peux dire que j'ai ramené quelque chose de nouveau. Mais le pasteur m'a dit... dans le contrat que j'étais je pouvais tourner, je pouvais faire les choses comme je pense, mais les faire bien. Ok. C'est ce que le pasteur m'a dit. Et quand tu vas le faire bien là, excuse-moi, on va aller comme ça. Quand tu vas le faire bien là, et que biso si tu remontes nos questions, est-ce que ça va te gêner? Bon. Parce que quand tu fais les choses bien, il y a des questions maintenant qui dérangent et qui gênent. Si on est indo comme ça, mais comme nous bien, est-ce que biso tu opes ça sur matière? Si on a invité que non ça bien. Est-ce qu'on est tous informés yo? Oh ça passe moi bien, moi ça moi ce qu'on a qui bossika. Oh tu mets ça na comme on a très bon musique. Ok. À travers toi peut-être que message na biso comme on a bon musique. À travers toi parce que tu fais les choses bien. Je ne dis pas que tu fais les choses bien que les kabango te. Vous avez qui bossika na yo. Ok. Admets-le quand même. Non, il y a un peu singa que là ça en gros. Non, non, moi je prends ça comme un compliment et je dis merci et je dis gloire à Dieu parce que pasteur Aib Sangilo moi une fois habité dit
ce qui album Noé et Bimi et que aux a succès et à la loco un pépé à sikaye na mukili. OK. C'est comme un vent nouveau. Okay. Toi-même, tu vas remarquer ça. Ouais. Et tout le monde. Mais c'est quoi remarquer pendant que les hommes m'a pas compris. Non, c'est quoi non au lobby. Dès qu'on a compris que mon père avait raison. Tant que okay. Mais donc, c'est comme un vent nouveau. Mais ça, non, il y a cicaté. Bon, et ça, il y a cicaté comme tel thé. Parce que même Bible, ils ont reconnaître le lobby qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais je pense que c'est un vent nouveau. Je dirais que c'est un vent nouveau du Saint-Esprit. Yangonde mtezo melo mon le quoi yasika. OK. Oui. Alors, le quoi le quoi na sika o yo lobi wana. Mais on a quand même la conscience que le lobi te belé bazon mona ba te belé ba otala yo. Ba te belé ba ko pe sa point de vue na bango. Selon bango, est-ce que tu peux admettre aussi cela? Ben moi je suis ouvert. Je suis en tout cas ouvert na ba critique, na ba remarque ya ba tout. Je suis très ouvert, je suis quelqu'un na yo ka mingi. Même ba pa ebinga ils le savent, même mon papa biologique, même mon pasteur il le sait. Que t'es dit, il écoute, je suis vraiment très à l'écoute. Ben je suis là très ouvert, j'attends les remarques et tout ça, je suis très ouvert. Alors moi, les gens m'ont utilisé pour te passer le message. Ce sont les gens qui te regardent, les gens au bazo mon ayo ya mon akatipe ya projet na yo titre ndé mon ayo comme nango mon ngai c'est comme mon nga wana. Qu'est-ce que tu veux dire dans cette chanson là? Non, tu vois ce que tu as dit, hein? Pour toi, comment est-ce que tu as dit? Parce que Monanga Wana, qu'est-ce que tu veux transmettre dans cette chanson-là? Monanga, c'est une prière. Et ça, okay. Prière, Nanga, il y a Boutou. Lorsque tout le monde dort et que moi, je suis debout, en train de prier, c'est des paroles comme ça que j'adresse à Dieu. Je dis, Seigneur Monanga, je sais que peut-être je ne suis pas le seul à être à genoux à cette heure-là. Mais je te prie, s'il te plaît, Monanga. Ok, ouais. On va prier ensemble avec toi. Monanga, c'est le titre. My God. Monanga. Basusu balembi, basusu bacholi, basusu balobi, yoti kinga yena yebelio boyete. Jésus, lele mamo ya tongo, nakola no boyete. Mosikoli nanga yo, nanga ye, monanga, monanga ye, nga ye yo. Ngai na zawa po na yo, na zawa po na yo. Pasina motema na za komituna, eske yanga na yo esili awa. Soni na elongi na kitisi moto, eske yanga na yo esili boye na yebelio boye te. Telema moya tongo, tola kana kiboyete. Jésus, mosiko li nanga yo, monanga e, monanga e, Yahweh, monanga e, monanga e, Yahweh, nazawa po na yo, nazawa po na yo, Yahweh. Nazawa po na yo, Yahweh. Bengata kombo na nga, montre-moi que tu es là. Na tomboli yanga maboko, na betela ki yo tolo,
Naloba kioza nanguya na mema yanga libota ayanzambe ya lula kota nanda konanga meme langa ikimia na cheyanga motema ya lula monanga ya we monanga ye yawe nazawa pona yo yawe nazawa pona yo yawe monangai yawe monangai Nazawa po Bengata comboa te dit montre-moi que tu es là na tomboli anga mamboko mea lola na betela ki otolo Na loba kioza na nguya Na mema ya ngali bota Yawe Yaya kota na anda kona ngai Meme la ngai kimia Na che ya nga motema J'ai eu tellement envie de t'applaudir à travers cette chanson et en même temps je te félicite aussi pour ce deuxième projet qui est en train de jaser et autres chacun maquillé les langos mais en même temps nous féliciter mais nous appelons à poser des sous-sous il y a qu'au poser aux questions mon collègue est-ce que tu as reçu retour mon bien un projet mais avant que tu me répondes je vais quand même profiter parce que tu es avec nous aujourd'hui bah tu veux basolanda bisolelo comme ça tout mes kako ko remercier quand même équipe oyo et mbio lelo basé belé tonton pedi Pereira Azawana, merci beaucoup à Tonton Pedi, merci beaucoup à Kyo Domasamba qui est à la réalisation, qui est à la réalisation de cette émission. Et merci aussi Nabatoyo, Bazo soutenir Bisso tellement Makasi, Bazé Bélé, la grande équipe Yaf, merci beaucoup de nous soutenir. Merci à Béatrice Mungouba qui nous assiste aujourd'hui et c'est aussi son anniversaire. Heureux anniversaire à toi, Béatrice Mungouba, en tout cas notre consoeur et aussi collègue, mais amie, Béatrice Mungouba. Merci énormément, Béatrice Mungouba, et heureux anniversaire à toi. En tout cas, vous êtes tellement ébellé, son nom d'autant à Bino Lélu aussi, la tête depuis loin là-bas, président Simon Ikamba, trois fois président. Trois fois boss, merci beaucoup. En tout cas, c'est un peu de temps. Tu as dit parce que tu l'aimes beaucoup. Tu as mis dans la voiture. Tu as dit que tu as dit président Simon Ikamba, merci beaucoup. Jeff Bokongo, le moins beaucoup nous avons là. Serge Etinkoum, le président, le boss, merci beaucoup. Alors, Nazongeli, tu as dit question à rendez-vous tout à l'heure. Merci aussi à Angos Maciel, j'allais oublier. Est-ce que tu as reçu un retour positif na projet nayo oyo et qu'est-ce que les gens pensent na projet nayo oyo et puis dans dimbo oyo ça chanson promotionnelle qu'est-ce que les gens pensent de tout ça ben en retour oui déjà le jour où l'album est sorti mon téléphone a bugué ok Instagram n'angé planté qui parce qu'il y avait tellement de messages des ripostes y a ben la vidéo et tout ça donc les gens ont j'ai quand même eu un bon retour de la part de gens après concernant la chanson aussi je dirais que c'est les même chansons ils ont toutes les chansons parce que ça ils ont quand même un grand projet titres quand non, même en fait j'ai pointé par rapport à votre question oui par rapport à la chanson promotionnelle aussi donc je réponds par rapport à ça aussi j'ai pu bah retour et retour et ça positivement, Alors, stratégie Nini Ocha qui est en place
pour tout monde lelo dans les réseaux sociaux hein dans les réseaux sociaux lelo tout monde en tout cas na ko ba nini ma kelele ya kosakana te soto bito ke na TikTok kutuba challenge et komi ba Beatrice Munguba Beatrice Munguba contredire ngate challenge et komi donc mikolo tozo ka suba nzimu mususu te ezaka ka nzimu na yo et moi personnellement j'ai reçu des messages. Et je crois que j'étais écrit une chose que l'équipe n'a pas sur ça, l'ango pénaté, parce que le réalisateur m'a contacté. Voilà, c'est la même chose qui s'est passée avec le pasteur Moïse. J'étais écrit moi personnellement, j'ai demandé ton numéro à Pop, un confrère, okay. Mais il s'est pas un numéro, il a été dit, n'a moro personnellement, n'a comme Elio, n'a dit mon cher. Na se présenter poliment na bibonga comme on a Jamel. Je crois que tu étais très étonné que je puisse me présenter, mais j'étais écrit, je me suis présenté, je suis Jamel. Regarde, je vais te recevoir dans Diez One parce que pression est l'équi. TikTok au Kangi yango. Oui, TikTok quand même, bien que tu n'es pas sur TikTok. Tu es plus sur Instagram. Je connais, oui. Au salinengeni ni po bloquer TikTok, ça fait pratiquement un mois. Il y a un ami qui m'a dit mais mon frère, rumba moko bimi mikolo yo, nazo yo kango mingi, on dirait 2 semaines seulement. Deux semaines, ma samoura et bissinga penabi, rumba mozo beta miko, les anges habitaient. Ils ont dit bonzem, big et père, big et zembe robeta la tchétché. Tchétché, c'est quoi? Oh, oui, tchétché, non, tchétché, bien, on oui, bien, non, dites-moi, tchétché. Bon, ok, bon, là, nabiso, on a vu tchétché la signe. Ok. Oh, qu'est-ce qui se passe? J'ai posé une mauvaise question. Ma samoura et bissinga pour les la vie, père. C'est une boîte de nuit. Ce n'est pas pour la pub, hein. Okay. C'est une boîte de nuit. Okay. C'est pour dire que non, tes chansons, ta chanson, et kobeta tina boîte de nuit. Triomphe wana, oso définir en engenen. Ben, je suis le fils de mon père. Mon père, c'est quelqu'un, c'est un homme à succès, un homme de succès. Yego to mes sana déjà. Voilà. Au moins vous boîte de nuit boyé 4h du matin, bati bande munaye. Je à ton côté boîte de nuit mais tu es quand même au courant de ça, de ce fait là. Vous en avez proche, vous en avez ami, oh quand même bétaro ma solana qui bande mon papa na yo. Bien sûr. Et bétaro tina ma boîte de nuit ba 4h du matin ba 3h avant couvre-feu banda bien évidemment. Oui, donc moi ça ne m'étonne pas. OK. Ce qui est béti na ba boîte de nuit, ça ne m'étonnerait pas. Mais déjà, ça représente quoi pour toi? Kenze Mounayo Zembe Lanzambe, vous avez un témoignage, c'est une chanson promotionnelle, mais Ezobe est dans la boîte de nuit, au moins dans moto, sous les effets de l'alcool, il est en train de chanter ta chanson et tout son cœur, Asimi Mouté Manaye, Azo Tcham Touboye, mais Aza sous les effets de l'alcool dans une boîte de nuit. Ça te dit quoi? Est-ce que ça âme ou gagné, ou soit ça la promotion et comme Sikanango? Dans la musique, ils ont réussite. Ok. Dans le christianisme, on ne sait pas quand est-ce que le Seigneur va faire telle ou telle chose. Okay. Et ça, même on est dans l'église, vous verrez que dans des églises, ce n'est pas tout le monde qui arrive à l'église, Ndazara converti. Tout en église, Batebele, le pasteur prêche, mais ce n'est pas tout le monde qui est à la converti. Même dans la boîte de nuit, une chanson chrétienne joue, ce n'est pas tout le monde qui est à la converti, mais peut-être une seule personne à Koki Kozoa. Rédemption aé au travers de ce chant. Et pour l'anga, je dirais que dans tous les deux côtés, ils ont réussite. Okay. Côté spirituel, ils ont réussite. Et côté côté stratégique, côté musique, tout court, c'est une grande réussite. Et que diras-tu aujourd'hui hein? Parce que avant Yo-Oya, l'industrie musicale, les gens de Komi, puis dans ma plateforme, avant, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, on parle de boîte de nuit. Tu vois que c'est quand même un exploit. Avant Yo-Oya, c'était très difficile. Quand on dit, tiens, Matou Samuel, il est dans la boîte de nuit. Excuse-moi, c'est une réalité. Il est bizarre. On dit, Matou Samuel, il est dans la boîte de nuit. Au moins, à l'époque, on dit, mon frère Patrice, il est dans la boîte de nuit. Là, on s'est pas encore passé. Je connais encore la chanson, c'est une collaboration du pasteur Mike Kalambay et la sœur regrettée, la sœur Marie Misamou. Nous sommes ensemble, boy. Et bien, dans l'église, tu vois, ça va faire bizarre. Vu le message et tout. Aujourd'hui, une chanson, ta chanson. Et comment tu as dit que 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 tu as ça te fait quoi quand tu es là, tu te dis na sali nini, est-ce que
Et ça, quand on dit comme ça, on a place au tout bateau, oiseau, on a pour musique, il y a bien. Non, mais c'est comme je venais de le dire tantôt. Pour Nanga, ils ont réussi. C'est une grande réussite pour Nanga. Et moi, je ne peux que bénir le nom du Seigneur. Okay. Parce que objectif Nabiswe Zara, que œuvre Nabiswe Kende partout et ils en la frontière. Okay. C'est ça notre objectif. Okay. Et non, au fait, il y a une chose que tu ignoras quand. Je ne sais pas si dans le bateau ignoraka ou bien tu tcharango kate. Kate. Et ça que quand nous chantons le nom de Jésus, nous le glorifions et nous faisons ça pas seulement pour les chrétiens, nous le faisons aussi pour les non-chrétiens. Pour les non-chrétiens. C'est pour leur montrer que notre Jésus à nous, il est fort, qu'il est en mesure de faire des choses aussi. Très bien. Donc, tout ça, qu'on a invité, ben, en même temps, croire, na, muto, biso, to, croire déjà, naïe. Et puis, voilà. Donc, je me dis, ceux qui, dzimbo, nangezo, beta, na baba, ou na baba, de lui. Et ça, n'est-ce que longi, si, quoi, c'est une grande réussite pour moi. Ah, en oui. Tout cas, pour nangeza, réussite. Il y a mon aile. Ok. Okay. Oui. Alors, j'ai dit tout à l'heure, hein, dans mes propos, que tu es en train, ozo longa, batou, hein, et, Ezo ça la bien, c'est aussi ta chanson, hein, na longa bango. Na longa bango. Voilà. Mais là on dira maintenant que non au longi bango parce que musique na yo, hein, ba titre abanze mu na yo, ezo landa na pena na ba makambo oyo ozo sala lelo. C'est-à-dire que ndengo manda ko loba ke non na longa bango, si ko nzamba la kiso ke non, maloba no bia peut na reta, ya sa longa ki déjà comment il place en gros. Tu vas te lever. C'est une prophétie. C'est déjà la fin de cette émission, hein. En tout cas, on a tellement bien parlé que on s'est même pas rendu compte, mesdames, messieurs, je vous propose ce projet, hein, Kimia, de l'artiste Teddy Disso. Je vais vous citer le titre parce que c'est vrai que dans 8 ans, Yaroyo Kabandi Momosusute, la porte reste grandement ouverte pour cet artiste. Il peut revenir quand il voudra. Je vais négocier comme ça avec son équipe. Tout ça, la ta deuxième émission et ça, la vise bien. Mais pour la Batounion, ce Oyo Bazan, la plateforme et un téléchargement. Il y a musique légale. Titre Ezali, c'est vrai que titre en sous on a autant à vous remarquer que tout on a émission parce que vu le temps, vous savez que la télévision et la radio c'est le temps. Hein, titre local la Kimia d'ailleurs qui est le l'intitulé du projet. Oui, on n'a pas joué Kimia. Il fallait vraiment Kimia Beta, les paroles qu'il y a dans cette chanson. On va te rattraper comme ça. On va évoluer avec. On a titre local Kimia, Nalinga Kayo, Nalonga Bango d'ailleurs qu'on va finir avec cette émission. Monangai en collaboration avec le pasteur Moïse Mbillé, hein, on va encore en reparler, on va organiser une deuxième émission. Okay. Lelo qui est en train de tourner très bien, hein, qui est en train de tourner très bien, Lelo, comme il, c'est tout ma fille, c'est tout ma tantine, donc si vous êtes qui musicien, vous êtes musique, vous êtes en train de vous faire la musique, vous êtes en train de vous faire la musique. Ba mama bazo linganze mbwana mingi, hein, ba singa bango kutunde ba singa ngana yamba yo. Le titre Lelo qui est toujours en rotation et aussi en téléchargement. Que la lumière soit, hein, de titre aussi il y a Mélodie ainsi que Lola wana, hein, mini album na yo. Ils en a 8 titres et ça disponible. Alors pour se séparer, qu'est-ce que tu peux dire na batunyo soba lundi émission 10 zone ya Lelo, hein, na radio ainsi que na télévision RTGA FM et aussi RTGA World Télévision. OK. Un mot, je dirais Jésus-Christ est fidèle. C'est une phrase que mon père dit très souvent. Et je sais que pour certains, il paraîtra le quoi un slogan. Mais moi, je viens vous le confirmer que Jésus-Christ est fidèle. Jésus-Christ est fidèle. Je le dis et je le redis. Je le répète. Jésus-Christ est fidèle. Voilà, c'est mon dernier mot. Merci beaucoup et on va se séparer avec l'une de tes chansons. Okay. Allez, ciao. Ciao, ne perdez pas de repère, la RTGA est votre radio. Mon angaï, Mon angaï, Yahweh, na
nazawa pona yo. Eh ya nazawa pona yo. Eh na yelokola mwana nalingi na yeba ikanisi nonini pona ngaye basusu balembi basusu bacholi basusu balobi yotiki ngaye na yebeli oboye te maiga telema moya tongo nakola nuboye te mosikoli na ngayo mona ngaye nazawa pona yo. Eh yawe nazawa pona yo. Eh yawe pasi na motema naza kovituna eske yanga na yo esili awa soni na helongi na kitisi moto eske yanga na yo esili boye na yebeli oboye te telema moya tongo tolaka na kiboye te mosikoli na ngayo mona ngai mona ngai nazawa pona yo nazawa pona yo eh ya ya wabona nazawa pona yo ya ya eh ya we benga ta komona nga montre moi que tu es là na tombe yanga maboko.